كان هناك لقاء مع وزير الثقافة والرياضة الإسباني، كان هناك نقاش حول تعزيز هذه العلاقات. هي طبعا علاقات تاريخية، واشتغلنا على مجموعة من المواضيع المرتبطة خصوصا في توأمة العديد من المؤسسات الثقافية ما بين المملكتين، وكذلك الاشتغال على برامج ثقافية في الأشهر المقبلة خصوصا، وأن هذه الأنشطة الثقافية ستعزز هذه العلاقات اللي هي متميزة بين المملكتين، علاقات ثقافية في مجالات المسرح، مجال الكتاب، وكذلك في مجال الموسيقى، وبرمجة كذلك بعض المهرجانات السينمائية خصوصا، وأننا نفكر أن يكون هناك مهرجان لمخرجين الشباب في مجال السينما ما بين البلدين. Donc, Monsieur le Directeur, vous allez nous parler un petit peu d'abord de ce programme Visage que vous réalisez au Maroc. Donc, comment ça s'est passé, ce programme? Quels sont ses objectifs et sur quelle période il va s'étaler? Oui, c'est un programme du ministère de la Culture de l'Espagne, la Culture et le Sport de l'Espagne. Et c'est la deuxième édition, c'est un programme biannuel. Et c'est le deuxième pays avec lequel l'Espagne à ce type de programme. Et l'autre, c'est le Portugal. Vous pouvez comprendre que ce sont des pays voisins, des pays frères, et très importants pour l'Espagne. Et voilà, se développe la partie finale de l'année. On a commencé le mois de septembre, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Et c'est un programme qui va renforcer toute la coopération culturelle qu'on fait. Ça fait beaucoup de temps, l'ambassade d'Espagne et les instituts Cervantes au Maroc. Mais ce programme spécifiquement va montrer l'avant-garde de la culture espagnole, les nouveaux créateurs, comme par exemple cette exposition à Babelroi, et aussi des échanges, des ateliers. Je vais souligner ça, des échanges de coopération, de travailler ensemble dans les domaines, par exemple, comme la restauration architecturale, la conservation des musées, etc., etc. Ça veut dire qu'au-delà de montrer un échantillon des activités de la culture espagnole, au-delà de ça, c'est de créer des liens et des plateformes de travail. Et comme ça, les créateurs et les acteurs culturels de l'Espagne et le Maroc vont travailler ensemble et vont développer encore plus la coopération entre les deux royaumes. C'est aussi une très bonne occasion de faire ça, de parler avec son homologue, monsieur le ministre de la Culture de Maroc, parler, voir lui-même toute l'action qu'on fait ici. Et bon, je veux dire que toujours... Bon, vous les avez bien, les ministres espagnols. Normalement, la première destination desquelles sont le gouvernement, c'est le Maroc. Et c'est dans ce cadre-là, et surtout pour inaugurer cette deuxième édition du programme Visage.